des architectes paysagistes. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Séville est située au sud-ouest de la péninsule ibérique, à proximité du fleuve Guadalquivir. C'est ici que le parc Maria Luisa est aménagé, près du fleuve et dans la continuité des grandes avenues de la ville historique. Un parc aux formes variées, mais typiquement hispaniques, qui rend hommage à de grands noms de la littérature espagnole. Les Sévillans aiment s'y promener et pendant les canicules, y jouir de la fraîcheur produite par les ombres de son incroyable masse végétale. Au XIXe siècle, le parc n'était encore qu'un jardin. Il dépendait du palais de San Telmo, résidence de l'infante Luisa Fernanda d'Orléans, duchesse de Montpensier, plus connue sous le nom de Maria Luisa. En 1893, l'infante fait don du jardin à la ville. Le parc royal se transforme alors en un grand espace public de 38 hectares. Adolfo Fernandez est le directeur des parcs et jardins de Séville. Adolfo, pourquoi on choisit ce lieu, précisément cet ancien jardin, pour venir construire tout autour un parc qui a une dimension bien supérieure au jardin des origines? Séville, en ce moment, est une ville. À l'époque, Séville est une ville comme toutes les villes d'Europe, qui a besoin de se moderniser, créer des espaces de détente pour ses habitants et se transformer du point de vue de l'urbanisme. Séville rejoint cette mode de modernisation européenne qui s'aperçoit que ces aménagements sont importants et améliorent la vie des citadins. Cette démarche est la même dans plusieurs grandes villes européennes. À la fin du 19e siècle, les expositions internationales animent les grandes métropoles européennes. Autant de vitrines des réalisations industrielles, architecturales et culturelles des nations représentées. L'exposition ibéro-américaine de 1929 est l'un des événements majeurs du développement de la capitale andalouse au XXe siècle. La création du parc qui va l'accueillir est confiée à l'un des plus grands architectes paysagistes de l'époque, le français Jean-Claude Nicolas Forestier. On est à Séville, on est en Andalousie, on est en Espagne, on est en train d'organiser une exposition ibéro-américaine. On fait appel à un Français, ça n'a pas de sens. Je dirais que era lo natural, era lo lógico. C'est ce qu'il y avait de plus logique. Un autre choix aurait été, à mon avis, vraiment mal approprié. Toute la période du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle en Espagne évolue autour d'une réelle envie de transformation, de changement, en s'inspirant des techniques françaises, notamment avec la modernisation de Paris lancée par Haussmann.
Forestier est quelqu'un qui maîtrise les techniques du territoire et de l'urbanisme, mais aussi celles de la céramique. Forestier a également les qualités d'un grand botaniste, avec une préférence pour les rosiers. S'il y a bien une plante, une fleur qu'on peut lui associer, ce sont les roses. Les roses sont les fleurs préférées des grands jardiniers. Quand Forestier nous copie et qu'il reproduit le paysage hispano-musulman dans nos jardins, il le recrée parfaitement, à partir de ses propres connaissances techniques, mais en s'inspirant de notre culture, tout en conservant l'influence française. Dans le parc de Maria Luisa, on trouve cette double vision du rationalisme où poésie et culture sont présentes. Pour Jean-Claude Nicolas Forestier, les parcs et jardins sont une composante essentielle de l'espace urbain. Il met ses théories en application dans certaines villes d'Afrique du Nord, comme à Fès et à Marrakech, puis en Espagne. La culture arabe est déjà très présente depuis la conquête almohade au XIIIe siècle. Forestier opère un retour à la tradition du jardin arabo-andalou. Forestier accepte ce défi de transformer dans un premier temps un espace privé en un espace public. Un espace romantique en un espace capable d'accueillir beaucoup de monde. Il résout ce problème d'une manière magistrale. Parce qu'il trace sans aucune retenue une série d'axes qui absorbent le flux entre les grands espaces de l'exposition ibéro-américaine, où vont défiler de nombreuses personnes, des véhicules, etc. Il y a un matériau extraordinaire dans le parc Maria Luisa, c'est cette terre battue que vous utilisez dans les cheminements, qui est vraiment un révélateur de céramique, un révélateur du végétal. C'est aussi un capteur de lumière, ça fabrique des ombres extraordinaires dans le jardin. Ça, c'est magnifique, ça, c'est un des bijoux du parc, en fait. Séville est une ville bénie. Elle a beaucoup d'eau. Le climat est idéal. La terre y est riche, et sa couleur dorée nous permet à très bon marché d'enjoliver le paysage grâce à une lumière presque divine, une lumière d'or. Cette lumière est la plus belle, car elle est associée aux dieux, au paradis. Les anciens jardins du palais de San Telmo composent la base originale et pittoresque du parc de Maria Luisa. Jean-Claude Nicolas Forestier définit tout d'abord un tracé symétrique symbolisé par le jardin des lions, une colonne vertébrale autour de laquelle il dessine des axes monumentaux qui découpent une variété d'anciens et de nouveaux jardins. La place de l'Espagne et la place de l'Amérique viennent cadrer l'ensemble. Les grands axes ainsi constitués se connectent aux autres tracés de la ville de Séville. Auparavant, dans les rues des villes européennes, une seule et même voie accueillait indistinctement les véhicules et les piétons. Comme avec les trottoirs dans les villes modernes, Forestier propose de séparer les zones piétonnes et la voie carrossable. José Manuel Rodriguez Pérez est l'ancien directeur de l'école de jardinerie située dans le parc de Maria Luisa. José Manuel, dans l'allée des Sophora, dans ce grand réseau géométrique qu'on retrouve dans le parc Maria Luisa, on s'aperçoit, si on regarde dans le détail, qu'il y a un grand, grand vocabulaire végétal qui permet d'accompagner le promeneur. Oui, c'est vrai. Nous avons disposé en parallèle plusieurs chemins longitudinaux qui sont séparés par ce qu'on pourrait appeler des jardineras. Mais ici, nous employons un mot d'origine arabe, ariaté.
D'accord. C'est ce qui est ici, c'est ça? Ce qui est cerné par des bordures. Exactement. C'est fermé par des bordures, avec au milieu une petite haie coupée très courte pour permettre la visibilité entre les axes. Ensuite, cette partie est séparée par des zones extérieures, avec un rideau végétal d'occultation. Nous avons des haies plus hautes qui permettent d'entrevoir ce qui est derrière, en le cachant en même temps. Et dans cette manière, finalement, de séparer les flux entre les piétons et les calèches, on n'est pas si loin d'une idée fonctionnaliste de la constitution du parc. Là, ici, on fait passer les piétons sur les côtés et puis les voitures au milieu. Oui, mais c'est aussi relié. Car celui qui se promène à pied appartient à une classe différente de celui qui se promène en calèche luxueuse. D'une certaine manière, ils coexistent. C'est un parc qui s'ouvre et où vont évoluer des personnes de classes sociales différentes. Depuis des temps immémoriaux, Séville a particulièrement été un endroit où on se montre, comme dans presque toutes les villes bourgeoises du 19e siècle et du 20e siècle, pour afficher la splendeur de celui qui a un certain niveau social. Puis Forestier, c'est avant tout un paysagiste, donc il utilise la matière végétale pour pouvoir effectivement accompagner ses allées. Là, il fabrique une haie pour séparer les piétons, mais il utilise aussi le végétal pour fabriquer, par exemple ici, une voûte, une grande percée avec ses sophoras qui sont plantés très serrés, à seulement 5 mètres les uns des autres. Ouais. Alors, bien sûr, il a employé l'élément végétal un peu à sa limite, pour que les essences puissent d'une part se développer d'une manière naturelle, mais en même temps pousser à leurs extrêmes biologiques. Ici, on a un bon exemple, avec la distance entre les sophoras. C'est un arbre qui, normalement, se plante différemment, car il a besoin de plus d'espace. Ici, on les a plantés très serrés pour forcer la verticalité et créer le plus rapidement possible une structure d'ombre formant une voûte. Mais également d'un point de vue paysager, cela crée un axe impressionnant sous lequel se promener. Una presencia importante, ¿no? Le parc possède une grande variété d'arbres. Forestier a planté des espèces dont les zones d'ombre de différentes intensités offrent des ambiances variées. Le ficus, qu'on appelle plus communément le banyan, est constitué d'un feuillage dense, projetant une ombre importante. Forestier avait une bonne connaissance de ces arbres, qui se développent avec des branches aux formes étranges et se métamorphosent lentement pour devenir des racines plongeantes. Est-ce que le ficus, cet arbre-là qu'on a sous nos yeux, qui est un arbre presque liquide, très organique, avec ses racines, ses branches extraordinaires, c'était probablement un arbre qui était déjà très à la mode à l'époque de Forestier. Oui, il s'agissait d'un arbre qui existait déjà dans la ville. On le trouvait dans les jardins historiques. Mais c'est vrai qu'il était fasciné par le développement de cet arbre. Et c'est pour cette raison qu'il a décidé de l'utiliser plus largement. Qu'est-ce qu'il est en train de préparer, là, ici? Ce sont les racines aériennes qui permettent, pour de nombreuses essences de ficus, de s'ancrer au sol pour faire une bonne stabilisation du houppier. Ce qui arrive, c'est que lorsqu'ils ne trouvent pas de bonnes conditions, les racines avortent avant d'atteindre le sol. Et c'est pour ça qu'il y a ces formations. Finalement, il se fabrique toute une multitude de petites colonnes qui va venir le soutenir, c'est ça? Oui. Mais ici, à Séville, parfois ça n'a pas lieu, étant donné la fréquentation du parc, parce que les racines ont besoin d'un certain calme, pour ainsi dire, pour atteindre la terre. Et surtout, parce que le climat ici ne permet pas aux racines de se développer aussi rapidement qu'elles devraient pour s'ancrer au sol. «
Forestier a réussi à créer un parc éclectique, avec une superposition de plusieurs styles, comme le style romantique, déjà existant dans le jardin originel des Montpensier, le style formel et régulier avec ses haies de myrtes et ses allées d'arbres alignés, et enfin, le style hispano-musulman, avec l'utilisation de l'eau et des azuleros. Benito Valdés Castrillón est botaniste. Benito, pour quelles raisons Forestier conserve un certain nombre d'arbres issus du premier projet de jardin qui a eu lieu ici, c'est-à-dire le jardin de San Telmo? Forestier a trouvé un parc déjà formé, mal ordonné, parce qu'il avait manqué de soins. Mais il se trouve devant un parc qui a des arbres déjà très développés, qui ont été plantés à partir de 1850 par André Le Collan, lorsqu'il avait conçu le parc des Montpensier. Ces arbres s'étaient développés depuis 50 ou 60 ans. Alors il a déjà une matière première bien développée, qui est utile d'un point de vue paysager. Il n'a pas besoin d'attendre 20 ou 25 ans que les arbres poussent. Mais en plus, les responsables de l'exposition ibéro-américaine, qui lui commandent la transformation du parc, lui conseillent de ne pas couper les arbres du parc des Montpensier, ou du moins de les préserver le plus possible. Alors ça c'est parfait. En revanche, Forestier, lui, il arrive avec des grandes lignes, une idée régulière, formelle du jardin. Et les grandes lignes, on le voit très bien avec cette pergola ici, eh ben, quand on décide de conserver certains arbres, ça donne le platane qui rentre dans la pergola. Oui, bien sûr. Il casse la pergola parce qu'il a préféré garder le platane. Nous avons ici, dans une pergola construite vers 1912 ou 1913, un arbre qui a été planté entre 1860 et 1870. Et puis les grands arbres qu'on voit là-bas, c'est des arbres qui sont là depuis bien longtemps. Bien sûr, ce sont des arbres énormes. Parce que cette zone qui a été dessinée par Forestier de façon régulière et géométrique s'ajuste dans tout ce qui l'entoure. Et pour accompagner justement ces grandes lignes, Forestier vient ajouter des essences dans son parc. Bien sûr. Par exemple, pour les plantes grimpantes qui poussent le long des pergolas, il plante des glycines. Le ficus grimpant aussi, là. Ce ficus qui a poussé, il grimpe par là. Mais tout cela a poussé après la construction des pergolas. Comment on entretient un parc avec des arbres qui sont, pour certains, un petit peu abîmés? Là, il y a des arbres qui commencent à prendre beaucoup de place, des arbres qui commencent à menacer certains ouvrages. Comment on gère des monuments comme ces grands arbres, comme ces grands platanes, par exemple? On a toujours à l'esprit qu'il y a des arbres qui sont originaires du siècle dernier, que l'on doit préserver. Ça crée des problèmes. Lorsqu'ils deviennent vieux, la tentation serait de les couper. Mais non, on les assainit, on les nettoie, pour maintenir ce qu'ils sont, d'authentiques monuments. Et Benito, vous auriez envie de planter de nouveaux arbres dans le parc? C'est un autre problème. Il y a encore de la place. C'est un tout autre problème. Parce que c'est un parc où règne une ambiance particulière. Il a cette patine ancienne. Il a sa structure géométrique régulière, ravissante de Forestier. Et beaucoup de Sévillans, même les personnes chargées de l'entretien du parc, pense que l'on doit rester fidèle à ces essences d'arbres. Maria Luisa est un miroir de l'âme romantique espagnole, avec des lieux propices à la contemplation, les Glorietas. Alors que la gloriette désigne communément un pavillon de plaisance ou un petit temple antique,
les Glorietas de Maria Luisa ont une autre fonction. La Gloriette de l'île aux Canards date de l'époque des Montpensier. Forestier l'a intégrée au parc et en a édifié de nouvelles. Maria Dolores de las Heras est architecte des parcs et jardins à Séville. Maria Dolores, quand on est devant ces Glorietas, on comprend bien qu'on est dans des lieux qui sont propices à la contemplation, à la halte. Qu'est-ce que vous entendez précisément par Glorieta ? La Glorieta est un espace qui, en quelque sorte, s'ouvre dans le parc, par un chemin, à la fin d'une allée, une sorte de chambre pour contempler la nature ou un monument. Il y a différents types de Glorieta. Il y en a qui sont très petites, avec un tout petit monument garni d'un banc. Il y en a d'autres plus grandes, qui ont plus d'espace, ornées d'une fontaine ou d'un bassin. Ça dépend du type, de l'espace, et quelle a été la manière, l'idée au moment de la créer. Ce que Forestier a réalisé est un réseau d'allées avec de spacieuses glorietas en début et en fin des allées, avec une inspiration proche de l'Alhambra de Grenade ou des constructions arabes. La Glorieta des Lions est inspirée par la course des lions de l'Alhambra. Mais après l'exposition, on continue un peu la tendance de construire des Glorietas avec le style des années 50-60. Il ne faut pas un tracé défini. Si on a un bel endroit, de beaux arbres, alors on peut installer une Glorieta. La Glorieta des Rodriguez Marine, c'est une des Glorietas emblématiques de l'expo ibéro-américaine. Oui, parce que dans le projet de l'exposition ibéro-américaine, on a conçu ces petites Glorietas comme des hommages à différents poètes, écrivains ou artistes de l'époque. Celles qui étaient consacrées à des écrivains et des poètes avaient des étagères où on déposait leurs livres. Et lorsque tu te promenais dans le parc, tu arrivais ici, tu t'asseyais et tu prenais un livre et puis tu lisais tranquillement. C'est un aspect culturel que l'exposition cherchait à apporter. Pour finir, il n'y a plus de livres. Mais l'année dernière, pour la commémoration du centenaire du parc, on a remis des livres, on a retrouvé cette ambiance. Mais c'est un usage qui ne peut pas perdurer de nos jours à cause du vandalisme, car les livres ne restent pas en place. Et alors dans cette Glorieta, on retrouve quand même le style de l'art du jardin islamique. Avec cette petite fontaine, avec les azulejos. C'est vrai que dans le parc, il y a des réminiscences des jardins islamiques. Mais on reconnaît aussi la présence d'un style très à la mode à l'époque de l'exposition de Séville. Des constructions faites avec des briques taillées, des azulejos, avec beaucoup d'ornements en briques. C'est ce qu'on a baptisé à l'époque le style du régionalisme sévillan, une forme de construction typique d'ici. Alors Maria Doré, c'est quelque chose d'étonnant, c'est que vous utilisez les grenadiers pour fabriquer des haies. Ces haies qui tournent autour des Glorietas. Là, ici, ils poussent sans problème et on peut le tailler pour fabriquer ces petites haies qui viennent entourer la Glorieta. Ici, c'est très courant d'utiliser le grenadier nain comme haie. C'est une plante qui est parfaite pour les haies parce qu'une fois coupée, elle garde bien la forme, ne pousse pas trop. Et après, à la floraison, elle donne des fleurs très spéciales, très attirantes, et offre ses fruits si petits parce qu'issus d'une naissance naine. Ils ne grossissent pas plus que ça. Ils n'ont pas d'autre fonction qu'esthétique. On ne peut pas le manger. Non, ils ne servent pas à ça. On peut seulement les regarder. Maria Luisa est un des plus beaux exemples de parc urbain.
un espace public généreux dédié aux loisirs, aux promenades et à la contemplation. Un parc identitaire de la culture andalouse, mais hybride, fait de collages entre des parties d'anciens jardins, rassemblés par un paysagiste qui a conçu un véritable chef-d'œuvre. Jean-Claude Nicolas Forestier est l'un des premiers à avoir démontré que paysage et urbanisme ne faisaient qu'un, ouvrant la voie vers une nouvelle manière d'envisager le développement des villes en Europe.